et regarder la spécificité de ces athlètes très forts, notamment sur les anneaux ou sur les arçons, c'est qu'ils sont très très forts en buste avec un petit bassin et des jambes très légères, des petits gabarits. Et vous allez voir qu'ils arrivent à contrôler parfaitement les équilibres et qui n'ont pas un poids de jambes qui les gêne. Prise d'élan et la première épreuve de force qui est une planche avant. Deuxième planche avant qui est en croix de fer. Et ici, un équilibre en croix de fer renversée. La croix de fer, c'est lorsque les épaules sont à l'horizontale, à l'intérieur des anneaux. Et voici la croix de fer traditionnelle. Si vous faites le compte, il en est déjà à sa sixième force. Travaille en élan en lune, puis en soleil jusqu'à l'équilibre, que nous retrouverons parallèle et à la barre fixe. Et sorti en double saut périlleux carpé puis tendu, parfaitement maîtrisé à l'aplomb des anneaux. Très très joli programme et il sera difficile d'aller chercher notre ami Sylvester Solani. Mais ici, l'arçon et l'agré de vérité, peut-on dire que les anneaux sont... l'agré de force, parce qu'on a l'impression que c'est là, c'est sur cet agré qu'il faut avoir le plus de force. Sur les anneaux, Patrice. Sur les anneaux, oui. Oui, absolument. C'est un agré où le fait est la force est nécessaire. Et vous voyez cette tenue, cette force isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement des segments les uns par rapport aux autres. Regardez la tension musculaire qui s'exerce. C'est à la fois très éprouvant, et pour le souffle et pour le muscle. Et lorsque vous les additionnez, eh bien, vous vous trouvez en situation d'épuisement, ce qui est la grande difficulté du travail aux anneaux.